Gaze into a mirror and what do you see? Salut tout le monde, c'est Scro et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept qui arrive sur la FTW et qui j'espère vous plaira. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode des FTW News et aujourd'hui dans cet épisode, on fera le bilan de l'ensemble des conférences de le 3 2016. Sur ce les amis, c'est parti. Pour commencer en beauté, on va parler de la conférence de Sony, une conférence assez simple en soi, comme à l'habitude. Toutefois, Sony n'a pas du tout évoqué la nouvelle PS4 durant sa conférence et ils ont plutôt décidé de se focaliser sur leur casque de réalité virtuelle nommé PlayStation VR. Ce casque sera commercialisé le 13 octobre au prix de 399 euros. Pour ce qui est des jeux en réalité virtuelle, ils seront vendus dans les eaux de 10, 30, voire même 50 euros. Toutefois, quelques gros jeux comme les emblématiques Final Fantasy ou encore les Resident Evil seront bien évidemment compatibles avec le casque, mais on ne pourra jouer qu'à un mode Jeux bien précis. Pour ce qui est des nouvelles sorties de cette année, et eh bien la conférence a commencé avec un gameplay de God of War qui présente un Kratos assez vieux et fatigué. Et d'ailleurs, ils ont énormément parlé de leur nouveau système de modélisation et de mouvement des barres. Pour ceux qui me connaissent, et eh bien ils savent sûrement que je suis un fan incontesté des RPG et il y en a un qui a su attirer mon attention et c'est Horizon Zero Down, qui a malheureusement été récemment repoussé au 1er mars 2017. Cependant, on a pu voir énormément de gameplay, ce qui fait assez plaisir. Autre jeu qui a attiré mon attention c'est Day. Qui a été longuement présenté à travers d'un premier trailer en début de conférence, nous laissant voir un probable shooter dans un univers post-apocalyptique qui nous rappelle un certain De Last of Us. Puis pour finir, Sony nous a livré une vidéo de gameplay plutôt conséquente qui présente pas mal le gameplay et qui présente aussi le protagoniste face à un assaut de zombies. Donc est-ce que le jeu est bon ou mauvais L'avenir nous le dira. Passons maintenant du côté du géant vert du gaming avec la conférence d'Xbox, une conférence assez chargée vu que Microsoft n'a pas présenté une mais deux consoles, ce qui est assez fou vu la tendance du marché et des ventes gaming. D'un côté on a l'Xbox One S qui ressemble plus à une Xbox Mini plus compacte et capable de lire des vidéos en 4K, et de l'autre côté le projet Scorpio qui est défini comme étant la console la plus puissante et selon Microsoft c'est un monstre de puissance. Au menu des jeux compatibles avec les écrans télé 4K qui commencent à se vendre de plus en plus ces derniers temps, et la Scorpio sera également capable de... De faire tourner des jeux en réalité virtuelle sans que Microsoft ne précise pour autant quel casque serait compatible avec sa machine. Pour ce qui est de la date de sortie, la console ne sortira sûrement pas avant la fin 2017, autant dire que c'est pas demain la veille qu'on pourra y jouer. Parlons maintenant des conférences des éditeurs, des jeux plutôt fun ont été annoncés comme le jeu Steep qui est un jeu de sport extrême en monde ouvert et complètement multijoueur. Comme vous l'aurez compris, on pourra faire du snowboard, du ski, du wingsuit, du parachute, de la descente en vélo et j'en passe et tout ça en monde ouvert avec nos potes, c'est juste énorme. Le jeu se passera dans une montagne très largement inspirée par le Mont-Blanc et super bien réalisé vu que les graphismes et la physique de la neige sont juste super réalistes. Pour rester avec Ubisoft, il y a le jeu Ghost Recon Wildlands qui est super bien réalisé, c'est une sorte de mélange entre deux divisions Just Cause 3 et Arma 3. Donc, on est des soldats super armés qui font des base jump de partout et qui sautent de partout et on doit tuer le cartel. Bref, un concept assez simple en soi, mais on attend de voir un petit peu plus pour savoir de quoi il en est. Pour ce qui est de Watch Dogs 2, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire euh, de se GTA liser en quelque sorte vu qu'ils se rapprochent de plus en plus du style de GTA. Bref, Call of Duty Infinite Boost, Titlefall 2 ou encore Battlefield, ces jeux sont connus et certes, il y a de nouveaux mécanismes de jeu, mais au fond, ça reste la même licence, les mêmes attentes et surtout les mêmes même base de jeu, Titanfall 2, certes a des euh, déplacements un petit peu plus souples que dans le premier opus, et des mécanismes de jeu un petit peu plus légers, et enfin Battlefield se rapproche malheureusement plus de Star Wars que de la licence Battlefield, notamment avec le HUD ou encore les mécanismes de jeu, on dirait vraiment un Star Wars Battlefront 2.0 dans la guerre mondiale, plus qu'un Battlefield euh, je sais pas si mon soutien à moi mais je trouve que ce Battlefield 1 ressemble plus à un Star Wars qu'un Battlefield, ça reste à mon avis vous pensez ce que vous voulez, c'est personnel et enfin c'est FIFA 17, euh, c'est le Seul gros jeu qui s'est démarqué cette année, c'est FIFA 17, car il aura un vrai mode d'histoire où on suivra avec un scénario scénaristiquement bien scénarisé l'histoire d'un joueur de A à Z, donc ses problèmes, son histoire, son entrée dans le club, bref, toute sa vie. Sur ce, les amis, j'espère que ce premier épisode des FCW News vous aura plu. N'hésitez pas à passer vos avis en commentaire, à liker et à partager la vidéo. C'est escroc pour vous servir.